Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M et dans l'actualité de ce jeudi. Le procès du journaliste et directeur du site d'information Kasbah Tribune, animateur également du café presse politique sur Radio M, Khaled Drarni, a été reporté au 30 décembre en raison de la grève des avocats. Il sera rejugé devant la Cour d'Alger suite à un recours du collectif de défense le 25 mars dernier devant la Cour suprême. Le journaliste est en liberté provisoire depuis le 19 février 2021. Il est poursuivi pour atteinte à l'unité nationale et incitation à attroupement non armé après son arrestation pendant qu'il couvrait une manifestation pacifique à Alger. Les avocats entrent dans leur quatrième et dernier jour de grève. L'Union nationale des ordres des avocats avait annoncé jeudi dernier le boycott du travail judiciaire à travers toutes les juridictions civiles et militaires. Les avocats contestent les nouvelles mesures fiscales imposées dans la loi de finances pour l'année 2022. Un communiqué du ministère de l'Intérieur, du Premier ministère, a révélé un premier bilan de l'opération de récupération du foncier industriel, agricole et touristique non exploité. Les terrains récupérés seront réaffectés pour des porteurs de projets d'investissement dans le domaine agricole stratégique, précise la même source. L'Algérie abrite à partir de ce jeudi les travaux de la 8e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'étalera sur 3 jours. Cette conférence qui se tient à Oran verra une participation des ministres des pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, les membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies, des experts et des hauts représentants d'organismes africains, de l'ONU et de la Ligue arabe. Dans l'actualité au Soudan, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé que le retour du Premier ministre Abdallah Hamdok au pouvoir était une victoire importante. Guterres a appelé le peuple soudanais et les personnes qui continuent à manifester au bon sens afin de garantir une transition pacifique vers une véritable démocratie au Soudan. L'ambassadeur nigérien aux Nations Unies, Abdou Abali, s'est opposé mercredi à la position du Conseil de sécurité de l'ONU sur la tenue prochaine des élections présidentielles en Libye. Il a estimé que les conditions ne sont pas encore réunies pour ces élections. On termine par ce bulletin météorologique spécial. Des chutes de neige affecteront à partir de ce jeudi les reliefs de plusieurs wilayas de l'ouest du pays, dépassant les 1000 mètres d'altitude, et ceux du centre et de l'est dépassant les 900 mètres d'altitude. Les wilayas concernées sont Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Naama, El Bayad, Larouat, Djelfa, Tiaret et Tessensilt. L'épaisseur de la neige est estimée entre 5 et 10 cm durant la validité du BMS qui s'étale de jeudi à 18h à vendredi à 6h du matin. Sont également concernés par la neige les wilayas de Indefla, Medea, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Djidjel, Bourjbouarerij, Sitif, Batna, Khanchla et Tebessa. L'épaisseur de la neige dans ces régions est estimée entre 10 et 15 cm durant la validité du bulletin qui court de jeudi à 21h à vendredi à 15h. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.